absolument pas comme il faut. Regarde le gros là-bas, je le vois en plus, putain, il passe. Tiens. Oh. Ah. Mother of Goddies. Le Goddies de la Mother. Oulala. Steak en approche. Maîtrise et contrôle du fish. La petite action de pompage. La petite action de pompage. Au steak. Au steak. Steak piqué juste sur le côté, juste sur le dessus là. Attention, steakos. Steakos. La pêche pour ce soir est assurée. Toi, mon petit camarade, tu vas finir au bouchon. Alors, fais voir à quoi tu ressembles, tu m'as l'air bien long. Oh punaise. Oh. Laisse tomber le steak. Laisse tomber le steak. Oh la vache, alors là par contre c'est le steakos, c'est le steak Big Fish là. C'est le Burger King. Lui c'est le Maxi Burger lui. Oh la vache, il est aussi gras que long. Eh bah punaise. Alors là, tac. Ah, 53 cm c'était sûr. 53 cm le Golgoth. Oh la vache, le steak. On va voir si on peut en faire un deuxième. Oh, purée, j'ai toujours la tresse qui se met mal après. Je comprends pas pourquoi là. Quand je fais un fish, la tresse elle est tellement fine qu'elle est serrée et après c'est dégueulasse. Allez, zou. Oh purée, en plein en dessous là. J'ai foutu le bordel là-bas. Il y en a au fond là-bas, mais il faut que j'attende qu'il y en ait un qui passe. En fait, ils sont pas statiques. Hein. Ils se promènent d'un arbre à un autre. Et en fait, faut tomber quand ils sont en train, quand ils sont sur le passage. Quoi. En fait, c'est vraiment une embuscade quoi qu'il faut monter. Il faut monter l'embuscade. En fait, faut que j'attende qu'il y en ait un qui passe et puis boum, faut que je lui balance ça. Souvent vers l'arrière, c'est mieux parce qu'il se retourne et ça l'énerve. Tiens, il y en a un qui a pris. Tiens, allez, le Mother of Goddies. Oh là, par contre, j'ai la grosse touffe d'herbe, ça m'émerde. Je suis que dans les touffes. Là, par contre, je vais pas forcer parce que ça sert à rien. Là, j'ai une touffe, je pourrais pas vaincre la touffe. La touffe de la grand-mère. Là, je t'ai dit, je les prends par surprise. Ça, ils aiment pas ça, l'effet de la surprise. Ta 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 ta, tu vas pas dans la... Hop. Oh yes. Allez, vendu. Poufou. Je m'éloigne tout doucement parce que s'il y en a d'autres. Encore un beau. Oh, il est de belle taille. Hein. Alors celui-là, il est pas épais, mais la taille, elle est longue et fine. Ouais, longue et fine, comme ma bite. Ils claquent hein, quand ils sortent. En même temps, je les sors très vite. On n'a pas le temps vraiment de les fatiguer. Quelque part, c'est pas plus mal. Ça évite de faire durer le suspense. Il fait 50. Purée, 53 le premier, 50 le deuxième. Oui, oui, oui. Bon, je vais les mettre dans la bourriche en attendant. Je verrai lequel d'entre vous je choisis pour la partie au bouchon de tout à l'heure. On verra. Tiens, je t'amène un pote. La vache, ils sont monstrueux, ouais. 53, 50 cm, là. Les deux steaks. Allez. Voilà, si j'en fais 3 sur le même poste là, c'est vraiment qu'ils sont affamés. Hein. Le bordel que j'ai foutu là. Après c'est possible, parce que comme c'est des chevaines qui sont en mouvement, c'est pas des chevaines qui sont en poste fixe. Ils sont en mouvement, donc s'il y en a un autre qui vient d'un autre endroit et qui sait pas qu'il y a eu une prise avant, hein, il peut mordre aussi lui, hein, pas de soucis. Hein. Ça le fait. Hein. Tiens, il y en a un qui est devant, regarde, regarde. Regarde, encore, putain, c'est un truc de dingue. Oh, c'est un truc de dingue. Oh, c'est un truc de dingue, ça c'est un plus petit, ça.
Oh, ce carnage! Celui-là, il va faire 47 à peu près. Parfait, ça. Parfait. Ouais, ça c'est mieux 48. Bon, je vous fais une petite présentation de ce que moi j'appelle un bataillon de Panzerschub. Donc là j'ai fait 3 chubs en, allez, même pas en 10 minutes sur le même poste. Excellent. Donc j'ai un 53 cm, j'ai un 50 et j'ai un 48. Donc le principe de base c'est que le plus gros, c'est-à-dire vraiment le méga Panzer, le Panzer Tigre. Voilà, comme je dis, j'ai pas envie de leur faire du mal au plus gros. Donc là vous avez le 53 cm hyper massif. Donc lui, vous voyez, je le refous à l'eau direct. Voilà, il part. Par contre, je vais garder le 49 que je vais mettre au bouchon. Et le 50, je le garde en réserve. Si jamais je me fais péter le 49 cm. Donc voilà. Il n'y en a rien derrière, je les vois passer, putain. Parfait. Là-dedans, le ptio. Alors là, si vous voulez, je vais vous montrer ce que j'avais un de mes abonnés qui me demandait, mais Jordi, comment tu arrives à faire plein de chevaines, des fois même du bord, ou quand tu fais tes chevaines, parce que j'en conserve certains morts pour faire du mort manié. Donc bah, j'ai une petite botte secrète des fois quand je suis au bord, donc je vais révéler mon petit secret à tout le monde, et puis vous verrez la réaction de mon abonné, parce que je lui avais montré ma technique, et vous verrez sa réaction en regardant cet extrait vidéo. Je vous laisse le découvrir. Bonjour. Bonjour. Salut. Bon voilà, bon vous verrez que niveau no-kill et respect du poisson, bon c'est un petit peu moyen, mais bon c'est une technique comme une autre, hein. Après voilà, faut faire avec. Essayer de faire pas de bruit. Oh purée, c'est un big, hein. Oh, avec l'eau claire comme ça, c'est magnifique de le voir combattre. Oh la vache, c'est un steak. Hop. Hop.
très beau sujet. Lui, il va être bien en vif, lui, je te le dis. Va bien remuer au bouchon celui-là. Oh, la gras plein de murs. Un gras plein de murs, lui. Hop. Essayer d'en faire un deuxième quand même pour assurer le coup. Heureusement que j'ai congelé des murs, bon sang. Là, il n'y a plus de murs nulle part et je peux continuer à pêcher quand il n'y a plus rien, quand c'est l'automne. Oh, que je suis content. Ça me permet de me faire plaisir avec du chevesne et de faire du vif.